Yo j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, vous l'avez vu au titre à la miniature. Aujourd'hui on parle d'Inister, on parle beaucoup de deck build en ce moment et je vous avoue que quand des nouvelles cartes comme Shadowlight et du IT sortent, bah, franchement pour moi c'est vraiment une des choses que je préfère dans Yu-Gi-Oh! savoir le deck build parce que je vais pouvoir sortir des decks et réfléchir à certaines stratégies à certaines cartes qu'on ne jouait pas avant dans certaines listes et à réfléchir à les améliorer faire en sorte que ça soit jouable et faire toujours en sorte que certains decks soient le plus puissant possible là en l'occurrence on va parler d'Inister aujourd'hui et je suis très content d'avoir trouvé un combo alors il y a une decklist qui est à top à 60 ce week-end jouant certaines des cartes et j'ai eu très peur que ça soit le combo que j'ai trouvé et en réalité le combo que je vais vous montrer aujourd'hui, pas dire que c'est une world exclusive ou quoi que ce soit parce que c'est peu probable que personne n'y a jamais pensé avant. En tout cas, personne ne l'a mis en avant. Donc je suis assez content d'être un peu le premier à vous montrer ça. Voilà, si jamais demain le deck devient fort, on pourrait dire que vous l'avez vu sur la chaîne de Monster Eban. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris un gros kiff. À le faire, vous savez que habituellement, quand je fais ce genre de format vidéo où je vous montre un deck et que je vous explique ensuite des replays avec des pauses, etc., ben c'est un format qui marche de mieux en mieux sur ma chaîne et j'avoue que je suis assez content de ça parce que c'est quelque chose que j'apprécie faire aujourd'hui. On va donc découper la vidéo en plusieurs parties la première partie où j'explique un petit peu la decklist et le combo en lui-même, une deuxième partie où je vous montre le combo pour que vous ayez un peu une idée, et ensuite j'ai décidé de rajouter des catégories à savoir comment on joue sous H, comment on joue sous Nibiru et comment on joue sous Droll. C'est-à-dire que Droll, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de tous les decks Cybers. Généralement, c'est fin de game. D'ailleurs, Inister, c'était un petit peu le cas avant. Et là, vous allez voir que, bah, en fait, on peut faire des trucs. Des trucs assez sympas. Bah écoutez, voilà, je suis content d'avoir ajouté cette petite catégorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez... Voilà, si vous avez kiffé ou pas. Est-ce que c'est un truc qui était un peu useless ou pas dans, dans, dans cette vidéo-là. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout si vous avez des choses à améliorer. Parce que je sais que vous êtes plein à jouer Cybers. Pas forcément Inister, mais il y a des joueurs Marines, il y a des joueurs. Euh, euh, Salamandran, etc. Donc voilà, j'espère euh, réunir un petit peu tout le monde autour de cette decklist là et puis bah, avoir un peu vos avis. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement et c'est parti pour la découverte de la decklist. Ok, donc la decklist c'est la suivante. Euh, bon, vous avez vite compris euh, où est-ce que je veux aller. Euh, L'idée c'est de norme une des meilleures cartes sabers qu'on a eues depuis euh, plusieurs années, à savoir le firewall. Parce que le Firewall, tout seul, il va lancer énormément de combos, il va aller chercher le Fantôme, et que le Fantôme va chercher lui-même sa nette minage. C'est vraiment super fort. On a également le Guardian, qui peut être spé, si jamais tu as déjà Firewall, etc. Et, une fois que tu as Norme, et eh bien, de faire Shadowlight, pour aller invoquer du deck directement, le petit Picari. Euh... En fait, le, le Shadowlight, il ajoute deux choses très intéressantes dans cette decklist-là. La première, c'est d'aller spé un deuxième body, qui est souvent une des faiblesses d'Inister, c'est-à-dire que tu gères la première, c'est un peu chiant, machin. Là, tu vas pouvoir spé un deuxième body et en plus de ça tu vas pouvoir faire une seconde normale semaine donc c'est à dire que sous même certaines interruptions bah, le fait de pouvoir normer un deuxième truc sachant que c'est un deck qui va énormément tuto bah, en fait ça te ça permet complètement de relancer le combo et, et d'aller plus loin donc l'idée c'est de jouer du coup six copies de euh, firewall defender plus Zanet neige qui globalement est une copie de n'importe quoi et de jouer des PTT pour aller chercher de la Shadow Light au maximum du temps. Sachant que même si on ne touche pas euh, le firewall et qu'on touche par exemple euh, Doyon. Enfin en fait, pas, pas forcément qu'on le touche, mais qu'on va le tuto. Bah, on pourra toujours faire Shadowlight Doy sur Doyon pour spé Picari. Alors, on a une seule target dans le deck hein, en l'occurrence. Mais euh, ce qui est important, c'est quand même le fait qu'on va juste faire un body supplémentaire. Et, euh, et voilà, donc ça c'est pour la, la liste main deck. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 free spots, c'est pas mal, c'est pas non plus énorme, mais, euh, mais la liste est assez consistante en elle-même. C'est-à-dire que ça, c'est un starter qui fait full combo, ça, c'est un starter qui fait full combo. Alors, full combo pour finir sur les liens 6, hein, on reviendra un petit peu sur tout ça. Ça, ça fait full combo, ça, ça fait full combo, ça, ça fait full combo. Euh, je crois que vous l'avez compris, le deck est quand même assez stable à ce niveau-là. Euh, ensuite, au niveau de l'extra deck, qu'est-ce qui change J'ai enlevé un enfant pour ajouter la lien codeur, parce que la lien codeur, elle fait trop de choses elle permet d'aller beaucoup beaucoup plus loin euh, dans les combos et certaines, sous, sous certaines situations, évidemment. Euh, on garde les cartes classiques enfant, wicked et mage. Euh, le golem que j'avais déjà présenté, qui permet de reborn le code talker et qui transforme deux monstres en lien 5, clairement. Le jammer et le access, évidemment. Le Hitsoul, parce que c'est fort de piocher. Le templar, parce que ça permet de faire du CA. Euh, on va jouer la link 5 et la link 6 et on joue plus à rival, en tout cas dans cette version là, la link 5 qui va permettre en fait d'envoyer euh, la fusion au cimetière qui elle même est une annulation et si t'arrives à faire deux fois euh, l'effet de ce firewall, bah, il a clairement plus de 8000 enfin euh, il a 8000 en fait si tu le fais deux fois donc une fois dans ton tour, une fois dans ton tour l'adversaire c'est un effet rapide euh, et donc parfois t'as même pas besoin d'aller chercher de jammer, c'est à dire que t'as juste une grosse patate à 8000 et t'as gagné euh, et le, le singularity qui du coup va avoir au moins deux au cimetière la plupart du 3 si tu te débrouilles bien et euh, qui va permettre en fait tout simplement de bounce euh, bah, 2 à 3 euh, tous les tours. <laughs> Donc c'est super fort et qui en plus de ça euh, fait du CA puisque si une carte bouge d'une de ses zones pointées bah, tu peux respecter un cybers. Donc ça c'est fort, ça comme on le disait, ça annule un effet de magie piège ça et ça c'est des cartes classiques de Instar donc la decklist c'est la suivante les free spots euh, Entrap, franchement c'est pas forcément les bons à prendre en compte c'est pour ça que j'ai même pas fait de side parce que j'ai juste mis des patterns de cartes cool vas-y ça passe partout euh, s'il faut on met trois dark crawler pour pouvoir faire notre full combo bounce des cartes pas forcément rentrer en battle mais c'est ok d'ailleurs en parlant de dark crawler j'ai pensé à un combo euh, tout à l'heure quand je réfléchissais à la decklist euh, elle est où cette carte-là Voilà. Le signet rollback, donc c'est une magie rapide, il y a peut-être des trucs plus intéressants à jouer. Hein. Mais euh, j'ai pensé à une magie rapide, il ah, y a, y a la, la counter trap aussi qui pourrait être cool, mais ça ne nous fait pas finir sur le même board. C'est pour ça que je pensais au, à, à une magie rapide. Euh, admettons, j'ai mon board, donc l'idée c'est de finir avec ces deux boss monsters sur le terrain. Je set ça, sachant que c'est une signet, donc le fantôme peut aller la tuto. Euh, je la set, tu fais dark crawler chaîne ma magie rapide pour remettre un banni sur le terrain chaîne d'Anne-Marie au cimetière pour annuler Dark Roller. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée à voir, ces situationnels, machin. Mais j'y ai pensé et je me suis dit, en vrai, il y a moyen. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre le combo de base. Avec du coup le firewall plus duality. C'est un tout card combo. Je n'ai que deux cartes en main. Vous allez voir, le board final, sachant que normalement on a cinq cartes, il euh, y a moyen de faire des dingueries. Ok, donc comme je vous l'ai dit, tout cart combo. Donc je n'ai mis que deux cartes dans ma main vraiment pour juste euh, bah, présenter le tout-card combo et pas forcément tout le reste. Sachant c'est du tout-card combo, ça techniquement on en a 5 copies, c'est elle qui va être la plus relou à toucher. Et ça, euh, ça fait Roll, on en a 6, euh, franchement on l'a tous les jours dans les mains. Euh, du coup, on va Normal Summon qui n'a pas d'effet la Normal Summon et on va activer Shadow Light dessus pour pouvoir SP Picari du deck. Picari va aller. En fait, Picari il fait son combo, il fait sa vie. Genre, sauf que, au lieu, franchement, il a été Queen clown du deck. <laughs> c'est incroyable. Il va chercher de quoi? Euh, tuto à chichi. On va pouvoir Link Off et aller chercher notre terrain. On va faire notre Wicked. Et là, et là, ça c'est un combo que j'aime beaucoup. Du coup, bien qu vient qu'on vient de Link Off, le euh, firewall va activer son effet et va spé le fantôme du deck, ce qui va automatiquement proc l'effet de Wicked, Donc ça c'est vraiment incroyable. On va chercher Bururu avec Wicked, On fait l'effet du firewall, on tuto le Signet et du coup on discard un. Là dans notre combo on peut même se permettre de discard Bururu. Vous allez voir, c'est incroyable. Euh, on fait Mityo, on montre feu, on tuto Ashishi. On va pouvoir activer terrain et du coup bah là on vient de se libérer les zones. Donc on peut continuer de à spé à Chichi. Effet, on va chercher Doyon. Effet, on va chercher la Wicked pour pouvoir faire le Templar. Donc là, en vrai, là pour l'instant vous allez me dire, ok, bah ton combo, t'as juste un Signet, C'est le même combo qu'Inister. C'est avec... wow. le même combo qu'Inister habituellement, pardon. Euh, mais euh, mais t'as un Signet Minage en plus. Franchement, il y a rien de dingue. Vous allez voir à la fin. Vous allez voir à la fin, il y a difficilement moyen de faire autant de CA avec Inister de base. Euh, là, du coup, on va faire Templar juste pour pouvoir des body. On va faire de yon pour récupérer notre CA. Et là déjà, on a un truc qui est cool. C'est que oui, on n'a on a que, entre guillemets, un lien 6 sur le terrain. Mais déjà, c'est un lien 6 qui n'est pas dégueu. Et ensuite de ça, on va pouvoir continuer tous nos combos. Et je rappelle qu'on a une normale supplémentaire grâce à Shadowlay. Donc là du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, faire sa net Minage pour aller chercher Guardian. Guardian qui se rospe s'il est link off. Euh, et on, alors j'active au cimetière l'effet de Firewall, c'est juste parce que ça me trigger d'avoir le, le rond mais en gros lui il dit qu'elle a une phase, je peux choisir une carte dans mon cimetière et la remettre dans le deck. Euh, du coup, je vais activer l'effet de Shadowlight pour pouvoir extra norme, je vais faire l'effet de mon terrain avant pour pouvoir euh, spé, et là donc du coup, on va pouvoir envoyer Danmarie classico, sauf que, vu que c'est une lien 6, ça fonctionne, Danmarie peut annuler un phase recto en effet rapide. Euh, Normal Summon supplémentaire, vu qu'il y a une carte qui a été invoquée sous le Firewall, bah, du coup, on peut cibler une carte dans le cimetière et la réinvoquer. Et là, il y a le firewall qui lui-même se respecte. Donc, on a un truc très cool. C'est que là, déjà, comme vous le voyez, hein, ça, franchement, c'est ouf. C'est qu'on a la lien 6. Plus, on a déjà quoi faire un link 4 sur le terrain sans avoir activé l'effet de Mashplash. Je trouve que c'est incroyable. Donc là, on va faire Mashplash Effet pour pouvoir le rebound et aller faire, en fait, simplement le, euh, le, euh, le petit Pegasus qui bounce 1, hein, je le rappelle. Et donc là, bon, j'ai été un peu rapide. Previous. Euh, Jusqu'on remonte. Ça fait des vieux flashbacks, je crois. Voilà. Bon bref, on en est là. Euh, en gros, j'ai fait la synchro euh, qui reborne l'autre. Et là, du coup, on va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, Link 5. Tac. Là, on va pouvoir envoyer la fusion au cimetière. Et on a fini notre combo. Donc techniquement, là, on a encore 3 cartes en main. Puisqu'on avait commencé avec toutes cartes combo. Euh, et donc, on a le bounce 2. On a. La carte qui dit envoie, vous voyez, on est déjà à 5500. Si elle envoie encore une carte, on passe à 8000. On a la euh, Negate au cimetière et on a la Danmarie également. Plus, euh, bah Encore une fois, trois cartes en main, donc c'est un combo que je trouve vraiment très fort, vraiment très accessible euh, et, et, et en fait qui, qui fait ses preuves. Là, là a une phase bon, on va se burn de 2003 parce que bah, on n'a pas invoqué le, le Danemarie et on va recycler un euh, du cimetière, ce qui permet en fait de recommencer des combos. Et je rappelle qu'on a encore trois cartes en main. Donc voilà, c'est le petit combo que j'ai trouvé. Je le trouve pas mal, je suis assez fier de l'avoir trouvé. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer bah, en fait crescendo les interrupts qu'on peut prendre et ce qu'on peut faire en fonction de ce que fait l'adversaire. Alors, le premier combo, du coup, euh, bah, comme je vous le disais, c'est sous H. Donc j'ai vraiment sorti le même combo et simplement une hache euh, de, de, de ma poche en fait pour pouvoir montrer ce que ça fait. Là je pars du principe que l'adversaire va hache Shadowlight. C'était vraiment le truc de se dire ok si l'adversaire il a hache Shadowlight est-ce que ça tue tous les combos et qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas le cas Eh bien vous allez voir qu'on peut complètement jouer, c'est pas un problème. Là du coup on va link off avec le nouveau lien codeur. Alors là en l'occurrence c'est vraiment... Pas le meilleur moyen ou le plus opti de le jouer, mais vous verrez que c'est quand même utile dans le combo. Il me semble que je m'en sers. Euh, là, du coup, on refait la même chose que tout à l'heure c'est-à-dire qu'au lieu de spé euh, avec le firewall sous euh, le wicked, bon, en fait, on a spé une fois avant et on va quand même chercher le mining. Ce qui fait que, bon, en fait, dans tous les cas, on peut jouer. Euh, du coup, Shadow Light, tuto, Picari, et là, alors, premier effet machin, et deuxième effet le Shadow Light, il a été H. Ah, ok, c'est pas un problème mais il est quand même au cimetière. On peut quand même faire une extra norme. C'est pas un problème. Et on a dit tutos signes de ménage. Dans tous les cas. Donc en fait, là, on va relancer le même combo. Sauf qu'on a loupé une étape. Mais en fait, ça nous finira. Ça nous fera finir quand même. Sur euh, lien 6 plus euh, Itsu. Ce qui est quand même clairement pas négligeable. Donc là, je vais laisser dérouler le combo. Clairement, je vais pas vous réexpliquer ce qu'il en est. Parce qu'en fait, c'est exactement le même combo. On va peut-être passer sur 2-3 lignes de play, un poil différent. Mais franchement, ça va être vraiment la même chose. Et je trouve ça ouf de... Euh, bah grâce à Shadowlight, en fait, pouvoir se permettre de prendre d'interruptions sur des cartes qui sont problématiques, et de continuer de faire tout autant de CA, et de continuer de jouer, et de continuer de faire des effets. Là, vous voyez, typiquement, on, on est un peu poil différent, parce que du coup, de euh, Deyun, pardon, est encore dans la main, mais vous verrez qu'en fait, ça ne nous empêche pas de jouer, ça ne nous empêche pas de jouer du tout. Là, du coup, on fait Singularity, effet... On se paye. Alors là, c'est vrai qu'il y a un move un peu marrant et spicy. C'est que comme vous avez vu, on joue qu'un seul enfant. Là, du coup, Doyon va recycler enfant pour pouvoir se link-off sur enfant. Et du coup, proc l'effet de singularity. Je trouve ça très très intéressant. Euh, et donc, du coup, on va récupérer notre, notre magie. On respay le firewall. C'est juste histoire de finir sur un match plash qui lui-même va refaire un hit soul. Et donc, euh, du coup, techniquement, voilà, là on va payer 1000. On va piocher 1 en plus. Techniquement, on finit avec bounce euh, 1. Plus Negate au cimetière. Plus pioche 1 le tour d'après. Et on aura du coup 4 cartes en main. Euh, sachant qu'on a pris H sur la pire des cartes. Franchement, je trouve ça. Pas dégueu comme combo. Euh, on passe sur le combo juste après à savoir comment on joue le deck si on prend droll. Ce qui est, je rappelle, la pire interrupte qui existe normalement. Euh, alors à part shifter, mais j'avoue que shifter, bon voilà, on fait juste rien et c'est comme plein de decks. Mais droll, c'est une des pires interruptes que peut prendre Inister euh, et Cyber sans règle générale. Vous allez voir que là en l'occurrence on fait des trucs pas mal. Ok, bon là, je ne sais pas pourquoi là j'ai mis qu'un seul drôle, je trouvais ça marrant de mettre, de mettre des drôles euh, Là du coup on va spé, picari est fait, et après picari, on prend droll instantanément. Et vous allez voir que là, on va pouvoir continuer de jouer. C'est vraiment, je trouve ça fou de pouvoir autant jouer en fait sous drôle avec un deck Inister. Euh, moi personnellement, je, je, je trouve ça majestueux. C'est à dire que là, dites-vous que là, on peut déjà faire un lien 5. On a pris drôle, on a 4 en main. <laughs> Est-ce que c'est bon pour vous euh, Et donc du coup là, là, on, on abuse du potentiel du lien codeur qui lui-même va se respecter puisqu'il a été utilisé pour un code talker. Le code talker du coup va rebound 1 à nouveau. Euh, on fait Singularity et là vraiment en fait on abuse des reborns gratuites qu'offre le deck à savoir la Link 1, la Link off sur Transcode pour pouvoir le respeier, ce qui respect un body. Et là du coup on va pouvoir faire le cœur qui lui-même va proc l'effet sous Singularity donc du coup on va respeer encore une carte. Et du coup, on finira sur lien 6 plus lien 5, euh, si je ne me trompe pas. Ce que je trouve assez fort et euh, qui risque de, 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 de plaire à quand même pas mal de personnes. Donc là, du coup, on n'aura qu'une bounce parce qu'on n'a pas pu envoyer euh, la synchro au cimetière. Mais ça n'empêche pas qu'on a bounce 1, plus le tour d'après, on a 6000. Plus on a pris de rolls ce qui est censé vraiment nous emmerder. Plus euh, on a 4 cartes en main. Euh, pour un deck Cybers, ce genre de combo. Il enfin, y a peu de decks en fait, qui font lien 5 plus lien 6 et encore moins sous drôle. Donc c'est vraiment cool. Je vous montre un dernier combo qui est euh, du coup Sunibiru qui est un peu moins fort mais encore une fois c'est du one-card combo. Faut le prendre en compte de si j'ai plus de cartes en main, il y a très forte chance que je puisse extun. Euh, mais ça permet au moins de vous le montrer et de voir aussi bah, le côté un peu faible et euh, de vous montrer aussi à quel moment il faut interrupter le combo, tout simplement. Ok, donc le même combo. Bah, en fait, j'étais parti dans l'idée de mettre qu'une seule carte en main à chaque fois. Euh, le même combo. Là, il n'y aura pas d'interrupte, donc je ne vais pas expliquer le combo puisqu'on l'a déjà vu ensemble. Euh, ça déroule. Voilà, ça déroule, ça déroule. Et vous allez voir que le meilleur timing, je ne l'ai jamais assez dit dans les vidéos Cybers, c'est vraiment euh, le, le, le tout, en tout cas sur Anister, le timing où place à reborn parce qu'en fait techniquement le, le joueur a plus beaucoup de CA. Vous allez voir que là on aura quand même un peu de CA. Euh, on va pouvoir quand même faire quelque chose, mais ça reste moins fort que ce qu'on aurait pu espérer. Euh, je suis honnête sur le point là parce que je trouve ça dommage de, de, de ça, ça serait nul en fait de dire que c'est incroyable et que tout, euh, tout 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 est très très fort. Euh, après voilà, avec des extenders forcément on va plus loin. Et là voilà, exactement. C'est le moment où Templar à reborn, clairement. Euh, bon, là il y a Shadowlight, donc on aura toujours une normale supplémentaire. Mais on a le token qui va nous emmerder. Si Nibiru est trop présent dans la méta, on jouera sûrement Link Spider. Mais l'extra est vraiment très limité, donc euh, c'est donc vraiment problématique ce timing-là d'activation. On va quand même pouvoir jouer, vous allez voir, on a quand même des cartes, on va quand même pouvoir aller plus loin. Euh, mais ça reste toujours pénible en fait, ça reste toujours pénible. Parce qu'on ne va pas assez loin, parce qu'on ne peut pas abuser des, des extends. Et voilà, là, typiquement, on va finir sur un truc très classique. On va payer 1000. Voilà, on finit là-dessus. Ce qui se passe, c'est quoi C'est très simple. C'est, techniquement, on a 5 en main, puisqu'on a 2 cartes supplémentaires qu'on n'avait pas en main de départ. 5 en main, plus il te soul, pioche 1. Donc on va prier sur le fait que bah, là l'adversaire clairement il a juste à rentrer en battle et on n'est pas bien, c'est un fait. Euh, mais on va piocher en drophase et ensuite on espère que bah, parmi nos 6 cartes on aura quoi le contrôler pendant le tour de faut espérer pas toucher une perme parce que du coup ça veut dire qu'on ne peut pas l'activer. Enfin euh, tant que le token est là en tout cas. Après voilà, le fait que le token ait 3000 de défense, ça nous met un peu bien aussi niveau défense. Mais, euh, mais voilà, sur un Nibiru il se passe ça. Après je rappelle que c'est un Nibiru activé au meilleur moment. Il y a beaucoup de joueurs qui vous interrompront dès qu'il y aura 5 semaines. Et clairement, à 5 semaines, là, on faisait un board de fou. Parce qu'on aurait clairement pu utiliser le token pour faire autre chose et aller beaucoup plus loin. Là, ça nous a limité parce qu'on avait déjà passé toutes nos grosses cartes qui permettent de gérer ça. Bref, j'espère que c'était assez complet et que vous êtes aussi hypé que moi sur cette decklist-là. Personnellement, je la trouve très cool et je pense que je passerai un bon moment lorsque je la jouerai. J'espère que j'ai je donné envie à certains joueurs de jouer Inister. Là, c'est vrai qu'avec le top en YCS remote, je crois que c'est ça. Euh, bah, ça, ça donne un petit peu envie aux joueurs de jouer un deck qui marche. Et là, avec ce combo-là, bah, je trouve que c'est clairement une bonne solution. Pour jouer, le deck est assez accessible, hein, on va pas se mentir, à part les PTT, il n'y a rien qui est trop cher, il euh, y a peut-être le access dans l'extra, mais bon voilà, on est sur un deck qui a moins de euros à mon avis. Les PTT, évidemment, c'est un budget, mais encore une fois, tu peux clairement mettre euh, 3 une trappe de plus, enlever 2 PTT, un call-by, ou 2 PTT, un TTT. Et complètement joué, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé un moment incroyable. J'étais très content de vous montrer ça et j'espère que vous serez très content également de le découvrir. Si cette vidéo vous a plu évidemment. Le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que c'est super important. Et surtout, prenez soin de vous. Non duel et question de cartes. Sur à bientôt, les potes. Allez, ciao.